Simpson. Pour Wilder, le petit coup de pied par-dessus, il y a Lemi à la course. Attention, un passe gêné là, Lemi qui tape par-dessus, il y va. Hop là. Que dit Monsieur Clancy? Alors il fait même pas appel à la vidéo, il y a un contre pour les Toulousains, c'est un petit peu fou là cette action. C'est assez incroyable ce jugement à retardement de Monsieur Clancy. Sur le moment, il n'a même pas arrêté le jeu, il n'a pas fait appel à la vidéo. Et on enchaîne avec ce ballon pour Young, petit coup de pied rasant, c'est pas mal fait ça, et ça va profiter aux Catalans, bien fait. Avec ce ballon pour Grand Claude qui a cherché une solution, il l'a trouvé. Le relais maintenant de Porical qui est pris dans les 22 mètres de Canecli. Ballon libéré, il faut gérer large, de côté, il faut envoyer au large. Ah, il n'a pas pu donner Chouli, non, il est repris à un mètre de la ligne, ballon toujours pour les Catalans. Droite. Avantage en cours pour les Perpignanais, on repart avec Marty qui allonge sa passe, ça va aller au bout la vache sur Grand Claude qui va aller dans le but pour marquer le premier essai de ce match, peut-être. Et c'est accordé, oui, par Monsieur Spohr. Cooper qui essaie de... Non, c'était Lyons, pardon, qui essaie de s'échapper, il est repris. Jones qui peut écarter, attention à ce moment de mol. Il revient à l'intérieur, c'est bien fait pour Stoddart. Il va le chercher maintenant pour Ricard, oui. Stoddart qui est repris. Mais il rentre dans les 22 mètres de Perpignan. Ballon toujours pour les Catalans. Cazenave qui est rentré par l'axe. Il est venu par la porte. Il est passé par la porte, il n'y a pas de souci. Cazenave encore qui peut écarter avec Mas qui garde ce ballon, qui peut libérer, on enchaîne. Avec Gély pour tirer Wachou, ouais, c'est bien fait. Guiri qui peut écarter sur Cannon. Accélère, Julien. Allez. Julien qui va taper à suivre, c'est bien fait pour lui-même. Est-ce qu'il sera le premier sur ce ballon? Ou Guiri, c'est Cannon pour le deuxième essai des Catalans. Et bravo Guiri. Essai pour Julien Cannon. Cazenave pour Hume. Oui, il ne va pas trouver la touche. Vous voyez, c'est ça. Turnbull à la réception. Dangereux. Il peut s'appuyer sur Lamont. Lamont, attention, besoin de le fermer, là il n'y a pas grand monde. Lamont qui a évité un plaquage, un deuxième, il va pouvoir s'échapper. Il a du soutien avec Turnbull qui revient vers l'axe. Il est repris dans les 22 mètres des Catalans. Et ça ressort rapidement avec Jones qui va pouvoir écarter sur King, ça va aller au bout, le premier essai des Gallois dans ce match, inscrit par Rice Priestland. Allez, il reste un peu plus de 2 minutes. C'était bien de marquer là sur ce dernier ballon. Oui, mais non. Le 7, enfin Turnbull, il vieillit. Non mais voilà, les fautes catalanes ils sont. Mais le problème c'est que de l'autre côté, elles ne sont pas toutes sifflées. Attention à ce ballon. Ouais, bien fait, deux Gisterrel affilés. Morley sur l'extérieur pour Priestland qui va marquer le doublé. Le deuxième essai pour Rice Priestland qui est déjà à sa 6e saison sous le maillot des Scarlets. Allez, ça sort avec Edmonds qui croise avec Hume. Attention à cette balle qui est récupérée par les Gallois. Et là, ça va faire essai à moins que Candelon avec ses cannes. Sur le premier sur cette balle. Un contre 4, il y a essai, c'est normal. Ah bah oui, mais là il est tout seul Candelon. Rien à dire. Essai pour Reagan King, le troisième essai pour Canecli. On est devant les 22 mètres de Perpignan. Ça enchaîne encore avec Jones pour King. King qui croise. Oh, ça a bien joué ça avec ce ballon pour Rice qui s'échappe, il va aller au bout. Non, il a le soutien de Steven Jones. Le quatrième essai. L'essai du bonus offensif déjà pour les Gallois. Et c'est marqué par Steven Jones, l'ancien Clermontois. Ouf. Ouf, trop tôt. Ben oui, on a poussé à mon introduction. Allez, le ballon pour Edmonds qui peut donner à Marty qui prend l'extérieur, c'est bien fait, il peut croiser. Allez, planté. Avec Planté qui évite le plaquage, il va aller au bout pour le troisième essai de Perpignan dans ce match. Il est inscrit par Adrien Planté qui avait déjà marqué un essai le week-end dernier face à La Rochelle en championnat.